Isa en maternelle présente Ernest et Célestine au musée de Gabriel Vincent. Je veux voir le grand bonhomme blanc. Tout à l'heure, Célestine, j'ai un rendez-vous. Je voudrais la voir, cette place de gardien de musée. Si j'obtiens cette place, je pourrais garder la petite près de moi. Oh non, monsieur. Demandez-le toujours au directeur, mais ça m'étonnerait qu'il accepte. Non, 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 c'est impossible, voyons. Mais puisque vous êtes là, visitez notre exposition, je vous offre l'entrée. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et ça, c'est l'enfant Balthazar Carlos à cheval, par Velázquez. Pardon, monsieur, est-ce un bon métier, gardien de musée? Oui et non, monsieur. On ne se fatigue pas, mais on s'ennuie beaucoup. Ah, j'ai compris, Célestine. Écoute, c'est une exposition de copies de tableaux célèbres. Ce ne sont pas les vrais. C'est pour ça qu'il n'y a presque personne. Tu m'entends, Célestine? Ernest, c'est presque fini? On y va? Ernest, tu viens, dis. Ça va encore durer longtemps. Tu vois, Célestine, c'est l'Angélus de Millet. Celui-là, je le reconnais. Il est dans mon livre. Ernest, où es-tu? Plus moyen de retrouver Ernest. Ne t'en fais pas. Personne encore ne s'est perdu dans ce musée. Allez, cherche. Monsieur? 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 Mais il dort, lui. Monsieur? 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 Qu'y a-t-il, ma petite fille? J'ai perdu mon Ernest. En tout cas, il n'est pas ici. C'est toi, Ernest? Non, il vient encore de repasser en courant. Oh! Hé, monsieur, ne courez pas comme ça. Votre petite est là. Si ça pouvait arriver plus souvent, la vie des gardiens de musée serait quand même plus amusante. Tu trouves ça drôle, toi, une course pareille? Elle a eu la frousse, tu sais. Tout est bien qui finit bien. Viens, je suis là maintenant. Célestine, on rentre à la maison. Tiens, regarde-le maintenant, celui-là. Écoute-moi, Ernest. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Que se passe-t-il encore, Célestine? Dis-le-moi vite, parce que j'aimerais regarder mon livre d'histoire de l'art ce soir. Mais il y a que... Je pourrais vraiment te perdre, Ernest. Ne plus te retrouver. Tu pourrais partir loin, loin de moi, et je resterai sans toi. Me perdre? Oui, tu partirais en voyage, sans moi, par exemple... Pour travailler, je ne sais pas, moi. En voyage, moi? Sans toi? Mais non, hein, Ernest, que je suis bête. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, dis? Mon histoire est terminée.